c'est sur la vie de la préhistoire. Donc comment est venue la première graine, les outils, les maisons. Et moi, je commence plutôt par la première fiche. Donc c'est sur la nourriture. Les hommes mangeaient de la viande ou des plantes, des féculents. Par exemple, en animaux, ils mangeaient du mouton, du bœuf et plein de choses encore. Comment a commencé la première plantation? Donc les hommes de la préhistoire, ils ont découvert la première graine en observant la nature. Ils ont vu de jour à jour elle grandissait. Donc après ils ont dit je vais m'occuper d'elle. Et après c'est comme ça, la graine elle a fait beaucoup de... Elle avait tombé beaucoup de graines et après ça s'est fait, ça a fait. Et voilà. Et la première graine aussi, c'était une graine de maïs, de blé, qu'ils ont trouvé. Après, c'est les maisons. Donc les maisons, il y a plusieurs. Ils sont faits de bois ou de terre, mélangés avec du chaume pour les murs. Et pour le toit, il y a des feuillages ou du chaume. Mais aussi, il y a beaucoup de formes de maisons, par exemple rondes ou rectangulaires, mais ils sont faits de la même manière. C'est tout. Après, il y a les outils, comme il y a plusieurs noms d'outils, par exemple la faucille, la houe, la hache, la meule. La faucille pour couper les céréales, la houe pour préparer la terre, la hache pour couper les arbres et la meule pour avoir de la farine, pour fabriquer du pain et tout ça. Comment est-il fabriqué les outils? Les premiers hommes fabriquaient des outils en frappant deux galets, deux pierres, l'un contre l'autre. Par la suite, il produit des bifaces. Donc une biface, c'est une autre pierre qui quand on tape, ça se forme. Qui coupe. Le fossé, c'est une pierre qui coupe. Et quand on tape deux pierres qu'ils ont à nous, mais je m'en souviens plus, ben ça fait une pointe pointue qui, grâce à ça, on peut, par exemple, dans la terre, ben on peut faire des genres de dessins avec cet outil. Plus tard, ils créent des outils de plus en plus efficaces. Et aussi, j'ai oublié de dire, là, comment a commencé la première graine. Elle a commencé par la planter. Elle était toute petite. Après, on a vu les racines, comme là, elle grandissait. Après, elle grandissait encore les racines. Et là, on voit une petite plante, une petite feuille qui commence à mûrir. Après, on voit encore que les racines poussent encore plus. Et on voit quand même la petite tige, on va dire, qui est là, qui monte. Et après, à la fin, on voit presque toutes les racines qui sont là. Et là, on voit bien que la tige, elle est sortie. Et après, ça va faire des maïs. Du blé. Est-ce qu'il y a un quiz? Oui, il y a un quiz. Yes. Une première question. Comment ont été fabriqués les outils? En bois.
Et un pierre. Un pierre. Les outils et aussi un pierre. Et après, pour attacher, ben, ils avaient des ficelles. Des tiges. Des genres de ficelles. Deuxième question. Comment a commencé la première plantation? Ah, bouge. Heidi? Il y avait une graine et après elle a poussé, ça a fait d'autres graines. Oui, ouais, c'est vrai. Si deux noms d'outils. Asio, la hache et la houe. Oui. Comment sont faites les maisons? Moi je trouve il y a du bois dedans. Vas-y Charles. Il y a du bois. Ouais. Il y a aussi fait avec de la terre. Ouais. Mélangé avec quoi? L'eau. De la paille. Non. L'eau de la paille. Ouais. C'est, ça s'appelle du chaume. Et sur le toit? Du bois. Chaume. Ou du feuillage. Combien a d'outils? Yann? Tu l'as pas dit. Si. Quatre. Oui. Quelle est la première plantation découverte? Ouais. Colline? Je l'ai. Quelqu'un d'autre? Ouria? Le blé? Oui. Et après, j'en ai plus. Il y a des questions? Non. Oui. Il n'y a pas que quatre outils dans. Non, il y en a plus, mais il ne fallait pas que je les mette tous.